Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne TV Edasi. Cette vidéo sera consacrée à une expérience de diffraction d'un vaisseau laser par un point vertical. Donc l'objectif de ce TP ou bien cette expérience-là, c'est d'essayer de mesurer la largeur d'une faute à l'aide du phénomène en utilisant le phénomène de diffraction. J'ai déjà présenté et publié une vidéo sur la diffraction. J'ai présenté des résultats et l'objectif était de déterminer la longueur d'onde d'un vaisseau laser. Alors, cette expérience-là que je vais présenter, alors la dernière fois, j'avais présenté seulement les résultats et comment trouver la longueur d'onde. Alors, lors de cette expérience-là, je vais utiliser la diffraction non pas pour déterminer la longueur d'onde du vaisseau laser, mais de déterminer, d'essayer de mesurer approximativement la largeur de cette fente-là. Alors, avant de commencer, on va essayer de revoir ce qu'on a étudié et l'expression qu'on va utiliser pour réaliser ou bien pour atteindre cet objectif. Alors, on va voir la partie théorique brièvement et on va revenir directement à l'expérience et ainsi on va présenter le matériel utilisé. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, faisons un petit tour sur l'expression qu'on va utiliser pour atteindre notre objectif qui était de mesurer la largeur de cette fente. Alors, on a vu au cours que la largeur de la fente, la tâche centrale de la figure de diffraction qu'on va voir sur cet écran-là est égale à 2 lambda d sur A. Et que lambda, c'est la longueur d'onde du vaisseau utilisé. Dans notre cas, la longueur d'onde est de 650 nanomètres d'après le constructeur. Et D, c'est la distance qui sépare la fente à l'écran, c'est-à-dire cette distance-là qu'on appelle D. Alors L, c'est la largeur de la tâche centrale de la figure de diffraction qu'on va voir tout à l'heure. Donc on voit bien que L est proportionnelle à D, donc c'est une fonction de D. Donc si on représente L en fonction de D, bien sûr lambda constante, A constante, donc L en fonction de D sera une droite dont le coefficient de directeur est alpha, tel que alpha égale à 2 lambda sur 2 lambda sur A. Donc en mesurant alpha à partir des résultats expérimentaux, donc on va changer la distance D et on va noter la largeur de la tâche centrale. Après, on va représenter L en fonction de D et on va tirer alpha et ainsi arriver à l'expression de A, sachant qu'on connaît bien lambda. Voici le principe de mesure. Ici, un tableau de mesure qu'on va faire tout à l'heure. Donc D, c'est la distance qui sépare l'écran. Là, on se forme la figure de diffraction et bien sûr le plan des fentes. Et L, c'est la largeur de la tâche centrale. Donc on va commencer tout d'abord par présenter le matériel. Donc j'ai un décamètre, bien sûr, pour préciser, pour mesurer la distance D chaque fois. Donc on va commencer de 40 jusqu'à 140 cm tout au long de ce mur-là. Bien sûr, là, je suis dans ma maison, dans ma chambre, et je vous rappelle que j'ai mon fils Hamid qui est mon assistant tout au long de cette expérience-là. Donc, très grand salut à monsieur Hamid. Alors, on aura besoin aussi, ça c'est une règle seulement pour réduire le niveau de 40 entre la fente et le décamètre. Ça c'est pour régler bien sûr ce dispositif-là. Et là, on a les fentes, ce sont deux là. Comme ça, sont horizontales, la fente donc est verticale,
pardon, ils sont verticales, donc la fente est verticale. Et on a ici le faisceau laser. Donc on va mesurer pour D égale à 40 centimètres, on va voir combien. Donc on va voir tout d'abord la figure et après on mesurera cette largeur-là pour chaque distance D. Donc monsieur Al-Hamid, s'il vous plaît, ferme la porte pour voir un peu d'obscurité. Et je vais éteindre la lampe, oui. Donc je vais éteindre la lampe, mais je vais apporter la caméra pour que vous voyez la figure du D tout d'abord. Parce que la distance comme ça, vous ne le voyez pas. Donc, tu éteins la lumière. Donc, je vais appuyer sur le bouton pour voir la figure de diffraction. Donc, comme vous voyez ici, la tasse centrale qui apparaît un petit peu blanche, mais seulement aussi à réflexion. Donc, vous voyez là. Donc, c'est cette tache-là brillante qui est au centre qu'on va essayer de mesurer la largeur. Donc, ça c'est pour 40 et après on va voir pour les autres. Donc, maintenant, monsieur Rami, tu vas prendre la caméra pour m'aider. Alors, maintenant, je vais mesurer la largeur de la tache centrale. Je vais éteindre la lumière et monsieur Rami va déclencher le. Donc, et comme ça, je vais marquer. Et je vais mesurer. Donc, je vais mesurer la largeur. Donc, c'est presque 0,05. 06 07 07 ici pour 40 cm. Donc je vais déplacer le dispositif à la distance soit 60. Donc 60. Donc je suis au niveau de 60, donc D égale à 60. Et je vais remesurer la largeur de la tâche centrale encore une fois. Donc c'est cette distance-là. Donc c'est presque 1,1. Donc on passe à la distance 80. Et on va refaire la même chose. On remarque bien
que c'est qu'on éloigne les fentes de l'écran, c'est-à-dire si D augmente, elle, la largeur de la tâche centrale, augmente. Donc ils sont proportionnels. Donc on va prendre ce résultat, on va utiliser XL pour bien sûr représenter sous forme de courbe pour en déduire un alpha. Donc j'espère bien que vous avez bien compris le principe. On peut utiliser la même méthode, mais au lieu d'utiliser une fente, on peut utiliser par exemple un cheveu pour mesurer le diamètre de ce cheveu. Alors, j'espère bien que vous avez bien assimilé le principe. Si vous trouvez mes vidéos et mes expériences utiles, n'hésitez pas à les partager avec vous, vos amis. Et à une prochaine vidéo.